Bonjour à tous, c'est Krisuke et on se retrouve pour un nouvel épisode de WarioWare Smooth Smooth. Donc on en était rendu au 10ème personnage, Jimmy P, après le superbe level de 9 Volt. C'est parti, Jimmy P, nouvelle histoire, il ressemble à Jimmy T, donc on va voir ce qui change un peu. Cette fois-ci, Jimmy P avec une nouvelle coupe de cheveux. Ah, apparemment il croise Jimmy T, ça doit être son rival en fait. Oula, il a les moustaches qui frisent, hein. Folie canine. Alors je me rappelle que Jimmy T c'était un espèce de remix, enfin un espèce de melting pot de tous les anciens niveaux. Alors je pense que Jimmy P ce sera vraiment des nouveaux niveaux. On va voir ce que ça donne. Ah, lui il trouve un chien alors que Jimmy T c'était un chat avec sa petite Neko Dance. Ça a l'air similaire pour le moment. Waf waf. Alors il est à la classe, hein. Des mains dans les poches. Il y a tout le monde qui se ramène. Ok, tout le quartier qui s'ameute. C'est pareil que Jimmy T, exactement pareil. C'est n'importe quoi. Alors peut-être qu'il va danser aussi dans une boîte de nuit comme avec l'autre. Ah, apparemment lui c'est sur la plage. Yeah. Alors là ça va être la... Alors je sais pas comment on dit dog en jap. La dog dance, on va appeler ça. Yeah, 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 yeah. Il y a un petit plongeon à la fin. Ok, il est aussi dans une boîte de nuit, tire à la corde, c'est parti. Premier level, 4 vies comme d'hab. Ah, oh, cool. Alors c'est un melting pot aussi des jeux. Oh yes, allez. Yeah. Alors c'est aussi un melting pot des anciens levels, comme l'ancien Jimmy T, sauf que là c'est les nouveaux en fait. C'est ceux qui sont entre les deux. Alors top là, top là. Ah, je suis super content, je retrouve les jeux Nintendo là encore. Yeah, j'ai topé là avec les chiens. Alors le petit chef. Donc comme d'hab, la première partie, on se fait le... Oula. Ah, il y a un Oula Hoop avec un Hot Dogs. Oh yeah. Comme d'hab, la première partie, c'est le mode histoire. Et en deuxième partie, un petit mode challenge. Alors, le combat des pouces. Alors, je secoue et j'arrose. Yeah. Je prends ça dans la gueule. Donc, tous les petits jeux nous sont familiers. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Lire quoi. Flexion. Extension. Flexion, extension. Yeah, la légende de Dragon Ball encore. Avec ses petites groupies, là. Donc plus vite, plus vite, plus vite. Alors je pense que le boss c'est au niveau 16. Si j'en crois la logique du jeu. Oh non. Non. Vas-y, casse-toi. J'ai écrasé ou pas? Non. Putain, mais dès qu'il part dans un côté, c'est dur de le ramener de l'autre. Alors c'est parti, le boxeur. En bois, en bois, en bois, en bois, en bois, en bois. Vas-y. Oh putain, j'étais trop lent. Il y a un petit problème. Alors le parapluie, je vais essayer de pas me rater. Oh le bâtard, oh le bâtard. Il m'en faut combien? Ah ça va, il m'en fallait au moins une, je pense. Alors télécommande. Donc là c'était un peu plus dur que... Bah quand tu veux. Oh non, j'ai pas réussi. Ah, fallait appuyer sur A peut-être. Alors le mortier. Range, 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 range. Yeah. Alors on est au niveau combien là? Plus vite, je crois qu'on est au niveau 9. Fais-moi voir ça s'il te plaît. Le balai, le balai, le balai, le balai. On est au niveau 11. Tap, tap. Ah. Ah putain. Ah, c'était de la merde. Alors avec les petits doigts, j'ouvre la porte, bon ça on connaît. J'ai tellement fait, et il y a toujours un voleur derrière. Yeah, la dog dance. Télécommande cette fois-ci. Ah, ça c'est facile. Oh, ça c'est top, top, top. Pour gagner des points. Alors, on n'est pas loin du boss. Soulève. Yeah, flexion, extension. On est the king of the world. Alors, je vais attendre. Réponds. Yeah. Avec le samouraï encore. Alors, c'était une meuf la dernière fois. Alors, on est déjà au boss, alors faut pas que je perde. Attention, j'ai qu'une chance. Alors, boxeur. Oh non! Oh, je déteste ce mec. Alors, écoutez, maintenant j'ai compris l'astuce. Oh! Fallait que je reste sur place. Fallait que je reste sur place. Fallait que je reste sur place. Putain, je m'attendais à ce qu'il aille à droite comme dans l'autre boss. Qui m'avait tant fait chier. Parce qu'il allait tout le temps à droite au début. Donc, c'est parti, on recommence. On se laisse pas abattre avec les deux doigts. Donc, j'ouvre la porte. Vas-y. Yeah, c'est la petite hawaïenne. Aloha. Et à Dog Dance. Télécommande. Bon, ça c'est fastoche. Allez, casse-toi. Et oh yeah. Ça me dérange même pas de recommencer parce que les petits mini-jeux sont assez fun. Ça faisait longtemps que je les avais pas fait. Alors je rentre. Alors ça par contre c'est un peu chaud. Bon, ça va. Il faut faire un vrai coup d'estoc comme dans Zelda. Un bon coup en avant, sinon ça marche pas. Alors cette fois-ci... Bon, j'attends qu'il se balade là-bas. Voilà.
Je savais qu'il allait me feinter là. Alors j'ai entendu qu'il a saute, qu'il saute. Alors alter, j'espère que c'est juste flexion extension. Bah c'est facile. Yeah, King of the World. Alors pour l'instant ça va, 4 vies, plus vite, on est peut-être au niveau 11. Non, 9, 11. Hiro quoi ? Niveau 6, ok. Flexion, extension, yeah. Elle a rien pour plaire la fille, mais bon, elle a des, quand même des groupies. Alors bois. Vas-y putain. Alors ça, y a un petit souci, mais bon. C'est pas grave, j'ai perdu qu'une seule vie. Alors le serveur, top là. Yeah, il m'a topé là le mec. Yeah. Doggy dance. Alors le balai. Alors faut que je frappe les yeux là. Casse-toi. Ok. Vous voulez manger l'orange, ça ouf, bien. Alors pêche, alors ça je suis le roi de la pêche, pas de soucis. Dès qu'il y a des petits trucs d'eau là. Oh non. Pourtant je suis le roi de la pêche les mecs. Bon, j'ai tiré un peu trop vite. Alors niveau 11 peut-être, alors le mortier. Bon ça c'est facile. Enfin j'espère que c'est facile. Mais vas-y putain. Ah. Bon. Petit chef. Oula ou. Yeah. Ça va. Ça vient, j'aurais qu'une chance. Ça c'est pas top par contre. Vas-y collecte. Oh comment je rock ça. Yeah. Alors le combat des pouces avec le champagne là. Allez je secoue, j'arrose. Alors je crois qu'on est pas loin du boss. Alors attendre c'est le téléphone. Yeah. Bon ça c'est top, ça c'est facile. Par contre le boss. Alors le boss, je vais rester à gauche. Parce que c'est assez. Faut être rapide en fait. Alors je pense que ce sera tout le temps à gauche au début. Alors lui il a une un ananas au-dessus de lui là. Quoi? Mais en fait y a pas les flèches. Non. Putain il va encore me faire chier ce mec. Putain. Alors en fait y a plus de flèches. Donc c'est à nous de comprendre où il faut taper quoi. Bon bah on va essayer de garder le plus de vie possible. Alors avec les doigts j'ouvre la porte. Allez casse-toi le voleur. On t'a vu. Allez casse-toi. Bon. Faut que je garde le plus de vie possible, sinon c'est un peu la cata. Alors c'est pas le dernier niveau pour rien, parce que je crois que c'est le dernier niveau, ce personnage. Je crois que c'est le 10e et dernier. Alors le mortier, le pilon. Range. Bon ça c'est top. Soit c'est le dernier, soit il y en a deux autres, mais je suis pas sûr. Alors le parapluie. Allez collecte. Bon, ça c'est top. Bon il en faut juste une, je pense. Alors, le combat de pouce, ça doit être le champagne. Allez, secoue, arrose. Yeah. Prends ça dans ta gueule. Ça fait un peu pervers. Cette fois-ci, il n'y a pas de nouveau mouvement, donc c'est assez cool. Bon, les haltères, suffit de faire deux tractions. Yeah, King of the World. Doggy Dance. Alors, le serveur. Top là. Yeah. Yeah. Alors avec les doigts. Alors j'attends qu'il part là-bas. Vas-y casse-toi. Ah. J'ai même pas réussi à rouler le gros verre là. Alors boxeur, j'espère que ça va être la. Bon d'accord. Mais pourquoi ça marche pas les mecs? Je vous jure que ça marche pas. Alors j'ai un petit souci avec le broyage là. Alors là je vais taper le mec. Casse-toi. Oh le bâtard. Oh. Oh là là. Pourtant j'ai tapé. Oh, je sens que je vais pas m'en sortir. Alors, le téléphone, c'est assez fastoche. Moshi. Petit chef. Alors, ça, c'est le loulou. Oulaoup. Allez, oulaoup. Yeah. Oulaoup. Télécommande. Bon. Allez, casse-toi. Yes. Yeah. Tire à la corde. C'est quoi déjà? Ah, ouais, la pêche. Bon, ça, c'est mon dada. Yes. Yeah. Attraper je sais pas quoi. Alors la télécommande. En plus c'est le dernier niveau là. C'est l'avant-dernier avant le boss. Get down on it. Pouf. Alors ce boss. Bon écoutez on va essayer. Si j'y arrive pas on recommencera. Alors ce boss. Ouais. Alors en fonction de la position de son épée. D'accord, ok c'est fastoche en fait. Ok c'est super fastoche. Oh yes.
C'était une fraise dans sa gueule. Yeah. Alors là, j'ai super bien joué. En fait, c'est en fonction de son épée, de la position de son épée entre les mains, qu'on peut deviner là où il va nous attaquer. Donc ça, c'est cool. Fier de moi. Et c'est parti pour la Doggy Dance avec la cinématique de fin. Donc véritablement, les Jimmy, c'est vraiment des Magic Pot des levels qu'on a fait auparavant. Donc ça, c'est cool. Ça mélange un peu tout. Tous les genres. Yeah, 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 ils enflamment la piste de danse. Yeah, 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 yeah. Petit mouvement de tête là. Voilà. Il y a toujours un petit chien à gauche là qui fait n'importe quoi. Sayonara! Avec sa coupe de cheveux de ouf. S'il vous plaît, monsieur. Ah, Dimitri. Ah, et ça s'arrête là, apparemment. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'on a un nouveau personnage ou pas? Eh ben, la réponse est oui. Donc, ça n'était pas le dernier niveau. Et c'est même un personnage assez mystérieux. Donc, je vous laisse ça pour le prochain épisode, mais tout de suite... On va se faire la partie challenge de cette vidéo, c'est-à-dire faire le plus de scores possible, donc aller le plus loin possible. Cette fois-ci, après le boss, ça continue, et on gagne des one-up jusqu'à temps qu'on perde. Alors top là, top là, yeah! Doggy Dance! Alors le combat de pouce, secoue, 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 arrose, yeah, dans ta gueule! Miam miam, il y a marqué. Alors... Bah écoutez, on essaie d'atteindre les 30, mais bon... allez, 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 allez. Non. Oh, c'est bizarre, j'ai pas réussi. D'atteindre le score des 30, ça serait vraiment énorme. Le parapluie. Bon, collecte, c'est assez simple. Voilà, voilà, voilà. Puisqu'il m'en faut. Alors, la télécommande. Alors, il faut que je verse du sucre ou je sais pas quoi dans le truc. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est de la bouffe pour le poisson rouge. Yeah, c'est n'importe quoi ce jeu. Alors plus vite, le petit chef, peut-être le Hula Hoop. Ah, ça j'y arrive jamais, ça par contre. Ouais, mais j'y arrive jamais ce truc. Bon, ça me saoule. Alors on tire la corde. Alors pêche, alors, ça j'adore. Regardez-moi ça. Yeah. Petit poisson. Bidi bidi bidi. Animal Crossing. Allez, le mortier. Ah, ça j'aime bien. Vas-y. Allez, go, go, go. Ah, j'étais pas loin, franchement. Alors, le boxeur, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est simple, par contre. On a frotté, frotté à la voiture. Allez, masque une vie, donc ça, c'est chaud. Je sais même pas si j'atteindrai le boss, quoi. Yeah. On a ouvert la porte. Plus vite, plus vite. Alors, le boss, il est au niveau 16, donc ça va être chaud, hein, les mecs. Je garantis rien du tout. Là, je vais taper le vieux, là. Voilà. Allez, lâche l'orange. Il est où, c'est hein. Alors j'attends, peut-être que c'est le téléphone. Faites un 1. Ah ouais, mais ça c'est dur par contre. Ah ouais, mais ça c'est dur. Oh, bah écoutez les mecs, on sera arrivé au niveau. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau 12. Oh putain, c'est encore moins qu'une mode histoire. Bon, ça a été assez calamiteux tout ça. Mais bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis, portez-vous bien d'ici là. Donc salut tout le monde.